personnage de Sabelette. Mmh. Il y a du texte, il y a une impression, il y a un caractère. Non, tout est dans le jeu en fait, c'est que du cinéma. Le mien, il est un peu baroudeur. Ouais. Mais voilà, il a vécu dans des terriers et il faut vraiment que je m'apprenne de ça, sinon je pense que ça se verra à l'écran. Bonjour. Vous êtes qui, vous faites quoi? Je suis Osley. Ah ouais? Je joue aux Osley. Alors, on se croirait dans un parc Disney, n'est-ce pas? Oui. Donc vous jouez Vaiana. Moi c'est Vaiana. Et ça, moi, c'est Maui. Non, l'inverse. Pour comprendre, c'est quoi que tu fais, des épaulettes? Voilà. Des épaules? Ou des boutons? Ça marche ou pas? Oh, quel bel arbre! Mais t'es trop bien, mais j'ai bien fait de le faire ça. Eh, mais c'est parfait! Mais c'est parfait! Mais c'est trop bien! Il était venu pour un making of. Le voilà arbre, moi j'appelle ça de l'ascension sociale. Qu'en penses-tu? Ah bah c'est un arbre, tu parles pas, putain! Ou trois, j'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Des guitares, tricots, gâteaux et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Ça, ça sera. C'est redoublé ça. T'as quoi? Oh là là. Mais c'est vraiment bien fait, hein. Plus papier crépon, j'en avais pas vu autant depuis la maternelle, mais non. Qu'est-ce qu'on y croit? Léviator. Mais non. C'est Draco, et on voit vraiment que c'est pas les mêmes. Vous déménagez, monsieur? Non, c'est le décor. C'est le carton. Faut que le petit moi, il danse. On a Maori pousse, on a Maori cerf-volant, on a Maori qui danse, Maori qui fait un petit check, et Maori qui fout rien. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Bonjour. C'est le matin. Une audition pour. Et ça tourne. Rigoler. Tu dis bonjour? Non, la caméra dit bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'il en faut peu pour être heureux. T'es heureux? Oui. Très. Non? Très, parce qu'on fait des trucs géniaux. Ouais? Et je vois. Ou génial. Ça. Non, géniaux, je sais plus. Joss, pourquoi t'as pas fait ta petite signature? Pourquoi j'ai pas fait un doigt? Ouais, ouais. Ah non. On veut pas une équipe vulgaire. Après, ce qui est bien dans une équipe de tournage ou quand t'es pas tout seul en fait dans une équipe, c'est que du coup tu peux toi t'occuper par exemple vraiment de penser au personnage. Tu peux vraiment partir en live et il y a vraiment une équipe derrière toi qui s'occupe de tout ce qui est technique, tous les trucs un peu relous, et toi tu peux en profiter pour t'amuser et t'es pas 12 clowns parce que chacun hein, qui fait les conneries, voilà, vraiment c'est relou. Ouais. C'est relou. Allez Alex, action. Tout ce que tu as. En fait, c'est quand tu dis tout ce que tu dois savoir, là tu te relèves en même temps. Et tout début t'es comme ça. Et tout ce que je vais te dire, mon petit madame. Tout ce que tu dois savoir. Tu sais, c'est la main. Ouais. Tout ce que tu dois savoir, c'est que. Ouais, voilà. Tout ce que tu as à savoir, c'est que. Et l'enfant peut pour être prêt. Les répétitions de danse. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah oui, donc en fait, Greg, il prend Brian, il fait ça. Et toi, Brian, toi, ta main, tu la mets là. Et c'est Alex qui est là, qui chope le truc. Vraiment, que pour être heureux, chasser de votre esprit tous vos soucis. Et c'est une fin des tournages du Livre de la Jungle. Et nous allons maintenant passer à plonger à Givenchy. Dominatrice. On fait un essai, on ralentit. On ralentit, vas-y. Et là, je vais te lâcher. Là c'est très bien. Parfait. Action. T'as galéré. Tu m'as envoyé trop. Ouvre les yeux, c'est parti. Fais ce que t'as. Sois sûr de ta proposition, mais vraiment fais ce que t'as. Hein? Action. D'accord. Okay.
Attends, mais on voit que ça en fait. On voit que là et après c'est coupé. Ok, vas-y, c'est vrai, je l'ai. Je te le remontre et on y va. Les yeux, c'est parti. Tu peux te pincer, oui, c'est bien moi. Ah oui. Nickel. Du coup, t'es ça. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. Je peux, oui, je peux vous l'avouer. Oui, je peux vous l'avouer, je suis vraiment un drôle d'énergumène, je suis à l'origine de tous les phénomènes. Comment vous le dire, c'était naturel. Montez. Descends. Alors, on est bon. On peut le refaire, c'était presque ça. Bah ça va, ça va. Vous le dire, c'était naturel. Poser des îles sur l'océan. Ah, mais c'est non, c'est très bien. C'est juste qu'on voit comment elle est. Elle est comme ça. Pourquoi tu veux que je les aime ? Je sais pas, en fait, pour qu'on voit plus en bas qu'elle monte et que moi on verra que je monte pas, que je galère. Faut qu'on comprenne qu'il y a un truc qui monte et moi je vais pas réussir à monter. Chante étrange. Ouais, c'est bon. Un jour tu verras, ton cœur chantera. Maintenant, tout semble différent. Je veux croire. J'ai quelque chose. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû vous le donner plus tôt. Ah, d'accord. Mais j'ai peur. Et c'est curieux. Maintenant, je n'ai plus peur. Vous comprenez? Je commence à comprendre. Donc il faut que Olympe et Brian tirent les lanternes et au lieu de nous bouger, parce que eux ils bougent dans l'espace, Joss il va plus essayer de monter le plus possible et après faire comme ça. Tout ce temps à rêver jour et nuit, tout ce temps à chasser l'ennui, tant d'années sans voir ni comprendre ce monde. Là il va faire des choses. Je la vois, et soudain je sais l'avenir. C'est fini la prison, et je vois danseur. Les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Vas-y, parle-nous de ton métier de Ondine. Eh ben, comment dire, je sers au resto et je dis Ondine. Moi je suis Claude François, mais personne ne me reconnaît. Bonjour, aujourd'hui je fais Making of, alors des petits mots à dire. Ouais, bah écoute, voilà, 30 ans de musical. 16 ans de conservatoire, et puis bon bah voilà, puis ça y est, t'as le rôle de ta vie. Donc est-ce que tu es un hibou? Ouais, en plus ça peut être marrant. C'est mon pas, c'est un gros nounours. Un gros nounours, un teddy bear. Un grizzly ou un ours gris. Un ours gris, c'est un ours gris. Oui. C'est un ours gris. De Winnie l'ourson qui aurait mangé plein de Winnie l'ourson. Comment va Alex Ramirez? Dites-moi tout. Ça va, je suis très heureux par cette journée de soleil. En plus, on a une petite guest. Elle est pas loin, c'est sa vraie taille. Hey Elodie Arnoux. Ah, je ne vous avais pas vu. Ouais, je vais chanter en breton. C'est parti. Ouais. Écoute, c'était trop rigolo et j'ai trop hâte de voir le résultat parce que ça va être bien rigolo. Ça va être? Ouais, je crois que je l'ai dit 10 fois, non bien ça rigolo. Va être bien rigolo. Mais ça va être comment? Rigolo. Non, bien. Bien rigolo. Bien rigolo. Ça va être bien rigolo. Merci. Ça va être vraiment bien rigolo en tout cas. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Flash pour le nuit, flash pour le jour. C'est naturel, c'est pour vous les hommes. Petit commentaire, vous avez des choses à dire? Ferme-la. Ok, bon, en tout cas ça m'a fait plaisir. Ferme-la Gérard, je vois pas que on est tranquille là, on fait une réunion un peu plus sérieuse. Bon, on donc, reprend, alors. La conjoncture actuelle. N'est pas... Et vous, Micheline, c'est le moment? C'est le moment pour les chips? C'est bien Bernard. 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 Bernard le canard. Mais Bernard le canard.
Mais le lui, c'est bien. C'est assez monocorde ce qu'il dit, mais faut prendre le temps de l'écouter. Et on en apprend plus sur nous que nous-mêmes ce qu'on devrait. Exactement. Finn Rider qui en peut plus. Ouais. Allez, on se lève. Elle me saoule avec ses délires là, regardez les étoiles. Sortie en barque, sortie en barque. On peut faire une sortie en barque, sortie en barque. Non, j'étais sur GTA. Bah oui, si tu veux. Et vous pouvez noter au passage mes talents de ventriloque. Super patate, super patate. Je vais voir un. Oh là, mais qui? Je crois que c'est lui vraiment qui parle. Hein. On va rester humoriste. Et encore, le doute commence à m'assaillir. Ce qui est important, c'est d'être vraiment dans une façon de bosser qui est sérieuse, tu vois. C'est pas parce qu'on fait les cons qu'il faut forcément être con. C'est un truc important à faire. Oh, voyons, Pascal, tu exagères, on n'est pas si malheureux. Fin de 3 jours de tournoi intense, et c'est toujours très triste. En fait, une à deux. Très bizarre, parce qu'on est très content que ça se termine. Tu vois un début de zoom. Moi le premier. T'as ça qui fait. Genre, vitesse, et en même temps, tu rentres chez toi, et après tu fais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Bon, on en refait. Donc je crois qu'on va refaire. Yes.